Salut à tous, c'est Lunarius. Aujourd'hui, le test de l'Aprilia Tuono V4 Factory de 2023. Allez, c'est parti! Les amis, de nouveau, grâce à l'un de mes abonnés, le test d'une dinguerie. Une moto que je rêve finalement de tester depuis assez longtemps, depuis qu'elle est sortie, hein, ça fait maintenant quand même pas loin de 10 ans hein, qu'elle est en vente. Là on a la toute dernière, celle qui est encore au catalogue au moment où je fais ce test. Donc si vous ne connaissez pas bien la gamme Aprilia, il s'agit en fait d'une Tuono, c'est-à-dire d'un dérivé d'une sportive, mais avec une position roadster. Donc finalement, ça ressemble beaucoup à ce qu'on aurait chez Ducati avec la gamme Street Fighter. J'ai déjà pu tester d'ailleurs, il y a quelques années, une Tuono équipée d'un moteur en V2. C'était la Tuono 1000R. Et j'en garde un excellent souvenir. C'était une machine extrêmement brutale, très 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 sympa à la conduite, peut-être même trop brutale. Aujourd'hui, bien sûr, on va voir ce que ça donne avec cette nouvelle machine. Donc, ils ont changé de moteur. Maintenant, s'il ne s'agit plus d'un bicylindre en V, mais d'un 4 cylindres en V. Concernant l'esthétique de cette machine, moi ce que j'adore vraiment, c'est que chez Aprilia, ils ont réussi à conserver sur cette version Roadster un look finalement très proche de la RSV4, donc la sportive de la gamme, qui partage une motorisation similaire, même si bien sûr la RSV est encore plus puissante. Donc comme son nom l'indique, cette machine est motorisée par un V4. Celui-ci fait 1100 cm3 et développe 175 chevaux. C'est une machine qui est finalement assez légère pour la catégorie. On est à 208 kg tout plein fait, c'est-à-dire avec 18 litres de carburant. Aujourd'hui, le modèle que je vous présente est strictement d'origine. Si vous allez en concession, vous pouvez trouver exactement la même. En plus, ce modèle a une peinture spéciale, c'est une peinture en édition limitée. C'est une des seules options sur cette machine. Cette peinture coûte 500 ou 600 euros de plus. Et j'oubliais, si on a un petit accessoire en option, il y a un port USB qui est juste en dessous du compteur. Ça, c'est en option proposée par Aprilia. Sinon, la machine est comme en concession, elle est toute neuve. Bon, vous voyez que là, j'arrive en centre-ville et c'est pas forcément les lieux de prédilection pour ce genre de machine dérivée de sportive. Là, la prise en main de ce modèle est finalement plus simple qu'avec une véritable sportive, mais on sent bien quand même les gènes un peu radicaux de cette machine. Déjà pour moi qui ne suis pas bien grand, la moto est quand même assez haute. J'arrive à toucher le sol des deux côtés, mais vraiment du bout des pieds. La position sur la machine est très basculée sur l'avant, bien qu'on ait un grand guidon, donc on a une facilité pour les manœuvres, mais on a quand même cette position de sportive, on est basculé vers l'avant, les repose-pieds sont relativement hauts et vers l'arrière. De nouveau, ça trahit vraiment les gènes de sportive de cette machine. Mais on conserve néanmoins une position bien plus facile lorsqu'on utilise cette machine en ville. Là, par exemple, vous voyez que je suis dans un rond-point à très faible allure et je peux prendre les infos autour de moi sans réel problème. Par contre, il est vrai que si je veux vraiment contrôler mes angles morts, il faut que je lâche le guidon et que je me retourne complètement. Pour prendre les infos, on a également les rétros qui sont bien sûr d'origine. Ils sont sur les extrémités du guidon, donc très sur l'extérieur. Je vois finalement pas trop mal ce qui se passe derrière moi, mais j'ai quand même un bon tiers de chaque miroir qui est obstrué par mes bras. Comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, cette machine est d'origine, et bien sûr, y compris au niveau de l'échappement. Et finalement, on m'avait décrit cette machine comme vraiment très très bruyante. Eh bien, dans cette version 2023, qui est bien sûr compatible avec la norme Euro 5, eh bien, ça reste plutôt feutré. Là, depuis tout à l'heure, je suis en ville, la sonorité est vraiment pas très très élevée. Par contre, dès qu'on monte dans les tours, ça devrait changer d'ambiance.
Allez, j'accélère un peu. Je me méfie parce que ici c'est très très humide aujourd'hui. Hein. En même temps, j'ai toujours moi des tests au bon moment. Quoi. Je teste une Tuono réputée radicale et hyper puissante au mois de novembre, juste entre deux averses, alors que la route est recouverte de boue et de feuilles. Je pense que on aurait dû faire ça cet été, mais c'est pas grave. On roule et on prend du plaisir. Voilà. Dès que je dépasse les 3000 tours et que j'ouvre un peu, la sonorité devient vraiment plus sympa. D'ailleurs, ici je sors de l'agglomération, on va accélérer un peu. Alors, il y a vraiment trop de patates sur cette machine car j'ai à peine accéléré en première alors que je suis en mode tour, qui est le mode le plus cool. Et j'ai instantanément senti l'arrière partir alors qu'on a actuellement le traction control qui est quasiment au maximum. Donc il y a vraiment de la patate. Je pense que le problème finalement pour une journée humide comme aujourd'hui, c'est plutôt les pneus. Ce sont des Super Corsa SP de chez Pirelli. Il n'y a quasiment pas de rainure pour évacuer l'eau. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, c'est une machine qui reprend un peu le look d'une sportive, donc quand on la regarde de devant, on pourrait croire qu'il y a une petite bulle, mais en fait, c'est plus un appendice esthétique que réellement efficace. Hein. Quand vous roulez à ne serait-ce que 70-80, vous vous prenez quand même pas mal d'air en pleine tête. Me voilà maintenant sur le passage que je prends à chaque fois à basse vitesse, donc là je suis en première. Et là, de nouveau, on retrouve vraiment les gènes de sportive. Hein. C'est-à-dire que dès qu'on dépasse un seuil minimum de vitesse, on sent la machine devenir un peu plus lourde, un petit peu plus compliquée. C'est une géométrie de sportive. Hein. Faut vraiment garder ça en tête. Hein. Bon, les amis, vous reconnaissez les lieux. On est là pour tester l'accélération. Et comme j'ai pu le dire plusieurs fois, et comme vous le voyez, la route est hyper brillante, hyper humide. Il y a en plus des traces de terre. Donc avec une machine aussi performante, ça va être compliqué de vous montrer les réelles capacités de ce modèle. Néanmoins, je vais essayer de faire de mon mieux. Je vais faire une première accélération avec le mode tour, qui est donc le mode le plus cool, même si on a théoriquement quand même les 175 chevaux, hein, c'est juste les aides électroniques qui sont configurées pour que ce soit délivré plus gentiment. Et si ça se passe bien, j'envisagerais peut-être de le refaire en mode sport. Mais je ne vais pas utiliser les modes de piste où on peut tout désactiver. Ça n'aurait pas grand sens aujourd'hui, ce serait juste le meilleur moyen de me foutre par terre. Allez, c'est parti. Je rappelle qu'elle est donnée donc pour 175 chevaux et 208 kg tout plein fait. Et là vous voyez qu'on a quasiment le plein. Allez, c'est parti, let's go. Et j'ai oublié de le préciser, la machine est équipée d'un shifter. J'ai à peine osé accélérer, tellement la route est dégueulasse. Finalement, là où j'étais au départ, on ne voyait pas qu'il y avait autant de terre et de feuilles sur la route. C'est déjà très très performant, sans même monter dans les tours, donc j'imagine même pas ce que ça donne en montant vraiment cette machine au maximum de ce qu'elle est capable de donner. On va essayer de refaire ça dans l'autre sens. Mais vous voyez, il y a vraiment de la terre, du gravier. Ici, c'est fréquenté par beaucoup de poids lourds. Donc, la route est quand même en mauvais état. Allez, on va faire un petit demi-tour. Donc, je vous remonte que du haut de 1m70, c'est compliqué pour moi de toucher le sol. Hein, je suis vraiment sur la pointe des pieds. Le réservoir est finalement un peu large. Donc, ça m'écarte les jambes. Je braque à fond. Et là, bah, de nouveau, hein, châssis de sportive. Donc, je braque à peine et je suis tout de suite embuté. Je peux pas tourner énormément, donc je suis quasiment certain qu'on va très largement sortir de l'emplacement de la route. Ouais, vous voyez, hein. C'est même absurde. Je finis, mais tellement loin. On a vraiment exactement le même angle de braquage qu'avec une super sportive. Bon les amis, on est reparti pour une accélération, toujours en mode tour. Et de nouveau, hein, je vais faire gaffe parce que la route est vraiment pourrie. Hein. Allez, c'est parti. Même pas, hein. On le sent que ce moteur il est dingue. Allez, bon,
je fais un troisième passage. J'essaie de me forcer, je vais surtout essayer de passer, les rapports à plus haut régime. Et en plus, j'ai encore oublié que j'avais un shifter. Allez, c'est parti! Allez, je ralentis. Frein arrière, ça freine déjà plutôt pas mal. Et le frein avant, j'y touche à peine et je suis cloué sur place. En même temps, cette machine est bien sûr équipée par du Brembo. Hein. C'est une machine italienne, donc on met des périphériques italiens. Et ces freins sont quasiment ce qui se fait de mieux actuellement. Hein. C'est des étriers M50. Donc ça freine super bien. Et surtout, la sensibilité est géniale. Et même le frein arrière est surprenant, je trouve qu'il freine vraiment pas mal. Bon, vous avez vu qu'en montant dans les tours, la sonorité change vraiment. Et cette machine est folle en fait. Hein. Même en mode tour, c'est dingue. Allez, je réaccélère. Et pour l'instant, je n'ai pas dépassé les 9-10 000, hein. Même pas. En fait, je ne sais même pas si je suis monté à 10 000 tours. On a une graduation du compte tour qui est, qui n'est pas linéaire. Plus on monte dans les tours et plus graphiquement, plus ça prend de place. Bon, de toute façon, vous l'aurez compris aujourd'hui, hein, c'était vraiment pas le bon jour pour tester les performances d'une machine pareille. On va néanmoins voir ce que ça donne en utilisation normale. Je reste très méfiant avec ces pneus, comme je vous ai dit, Super Corsa SP, qui ne sont pas là pour m'aider à évacuer l'eau de la route. D'ailleurs, une particularité de cette version factory par rapport à la normale, c'est la taille du pneu arrière. Sur la normale, c'est un 190, alors qu'ici, on a un 200. Allez, je réaccélère. Quand on dépasse les 5-6 000, il y a une reprise d'accélération. Oh là là, cette sonorité avec un échappement d'origine, c'est juste dingue. On a envie de rester dans les tours et de pas arrêter d'accélérer. Les reprises sont folles. En ce qui concerne les Komodo sur cette machine, on a des gros blocs d'instrumentation, surtout celui de gauche qui est assez imposant. Il comprend bien sûr tous les boutons pour l'éclairage. On a aussi un bouton pour le régulateur de vitesse. Et vous avez des espèces de gâchettes en bas, plus et moins, qui servent à régler très rapidement le traction control. Au milieu de tout ça, bien sûr, on a une espèce de croix qui permet de naviguer dans les différents paramètres du tableau de bord. Sur la droite, c'est beaucoup plus simple. On a un démarreur coupe-circuit, un bouton pour changer la puissance de l'éclairage à l'avant pour passer entre feu diurne et feu de position, ainsi que le bouton qui est dédié pour changer de mode de conduite rapidement. Le tableau de bord, lui, est bien sûr confié à un écran couleur, comme ça se fait très 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 souvent maintenant sur les machines modernes. Donc celui-ci permet d'avoir toutes les infos imaginables. On a bien sûr la vitesse, le contour, le mode sélectionné. On a également la conso instantanée, moyenne, les différents trips. Vous avez aussi toutes les infos concernant les différents paramètres de chaque mode. Le wheeling control, traction control, le frein moteur, tout est paramétrable. Hein. Et en plus, l'essentiel des menus sont en français. Ça, c'est à signaler. Alors ici, on va essayer de voir si ce moteur est souple. Alors pour l'instant, là, je suis à 2000 tours. 2000 tours, ça reprend. Bien que arrivé à un régime aussi bas, on sent que la machine vibrer un peu. On sent bien que c'est pas un 4 cylindres en ligne, loin de là. Mais ça reste quand même plutôt souple. Et ensuite, dès qu'on monte dans les tours, ça devient une folie. Il faut rester un œil rivé sur le compteur pour pas finalement être largement au-delà des limites sans même s'en apercevoir. Je vais maintenant accélérer un peu, je suis en côte. Mais je vous le redis, il y a un palier au-delà des 5-6 000 tours où d'un seul coup, on a l'impression comme si c'était un effet turbo, quoi. Le moteur qui se réveille vraiment alors qu'avant il était bridé. Je sais pas si c'est lié au mode tour,
Mais pour l'instant, c'est vraiment sympa cette sensation. Alors ici, j'arrive sur un Dodan, pris à 30 km/h bien sûr, et c'est extrêmement ferme. Sur cette machine, la version Factory, une des particularités, et la particularité essentielle, je dirais, c'est qu'on a une suspension avant et arrière Ohlins intégralement réglable électriquement. Et vous pouvez d'ailleurs vous mettre sur des modes qui changent la suspension de manière adaptative, c'est-à-dire en fonction de ce que vous faites. On peut aussi bloquer un certain réglage, si vous êtes sur piste par exemple, et tout est paramétrable assez facilement. Les suspensions sont au top, hein, y a vraiment rien à dire. Hein. Tellement frustré de ne pas pouvoir exploiter cette machine. On sent qu'elle a un potentiel de dingue, son moteur est fou. Et aujourd'hui la route est détrempée. Ah, je suis dégoûté. Bon, d'ailleurs ici, on arrive sur une succession de virages, mais il va falloir que je reste très très méfiant. La position de conduite est pour moi parfaite, hein. On est bien en maîtrise, on est quand même en appui sur le guidon, on colle bien nos genoux dans les flancs du réservoir, on sent que c'est une position pour l'attaque. Hein. Et après c'est un moteur qui a quand même beaucoup d'allonge, donc finalement pour monter cette machine un peu dans les tours et l'utiliser avec un peu de sa puissance, faut rester en 2 ou en 3, hein, jamais plus. Bon, de nouveau, hein, j'oublie encore que j'ai un shifter, je me rue sur l'embrayage à chaque fois, va falloir que j'arrête et que j'essaie de voir un peu comment il fonctionne, parce que pour l'instant, j'avoue que je l'ignore totalement. Allez, d'ailleurs, ici, on réaccélère un peu et j'essaie de passer tout au shifter. Ça fonctionne bien, mais c'est pas non plus le meilleur shifter, du moins c'est pas celui qui me donne les meilleures sensations par rapport à ce que j'ai pu tester sur d'autres machines concurrentes. Là on sent qu'il y a une petite latence sur le shifter, ce qui est de plus en plus amoindri sur d'autres machines, par exemple chez Ducati ou BMW, ils arrivent maintenant, même KTM, hein, à avoir des shifters vraiment extrêmement réactifs. Là celui-là, en utilisation routière, bah finalement je préfère passer les vitesses moi-même. Hein. On a une petite sensation de flou. Là je redescends les rapports. Et pareil, à la descente, c'est pas trop brutal, mais on a une petite sensation de latence. Pour l'instant, en termes de confort, la machine est plutôt surprenante. Je trouve que la selle ne me fait pas du tout mal au cul, elle est plutôt agréable. Par contre, j'ai les flancs du réservoir qui ont des arêtes un petit peu saillantes. Et ça vient un petit peu me taper dans les cuisses. Bon allez, je vais quand même passer un peu en mode sport, voir si ça change quelque chose en utilisation normale. Bah déjà, je peux vous assurer qu'à l'accélération, c'est beaucoup plus brutal. On tourne à peine l'accélérateur et tout de suite, bah, ça part beaucoup plus franchement. Allez, là j'accélère. C'est une dinguerie totale. Au final, avec le mode sport, je redécouvre la machine. Hein. Elle est vraiment plus brutale. J'imagine même pas ce que ça donne lorsqu'on déconnecte toutes les aides et qu'on se met donc sur les modes piste. Ça doit être une fusée. Oh là 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 là. Là, vous l'avez vu. Traction control à 5, alors que tout à l'heure, j'étais à 8 dans le mode précédent. Instantanément, dès que j'ai voulu accélérer fort, la roue arrière est partie. Et heureusement que le traction control est quand même là pour me rattraper, hein. Sinon je pense que la moto était par terre. Hein. Donc quand je vous dis que ces pneus, les Supercorsa, ont vraiment du mal sur route humide, c'est pas juste pour justifier que je me traîne le cul. Allez, on va passer sur l'autoroute. J'accélère cool pour pas re-burner bêtement. Thank you.
arrivé à 110, je suis assez surpris parce que finalement, j'ai pas tant d'air que ça qui arrive sur moi. Là, j'ai la visière grande ouverte et j'ai quasiment pas d'air qui arrive dans mon casque. Franchement, ce petit saut de vent est vraiment efficace, du moins pour moi qui ne suis pas très grand. Bon, je me suis remis en mode tour et je vais essayer de faire une accélération. Donc là, vous voyez que je suis à 90, j'accélère fort. J'ai même pas la possibilité vraiment d'accélérer à fond car c'est tellement une fusée que je me retrouve bloqué par les autres véhicules. Oh là 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 là, ce moteur et cette sonorité. Alors je vais essayer de mettre en mode sport, mais en même temps de mettre le traction control au maximum. On va voir si je conserve donc ce caractère à l'accélération. Ouais. Mais en même temps, j'ai un peu plus de sécurité. Donc c'est vraiment cool qu'ils aient mis ces gâchettes afin qu'on puisse changer ça très rapidement. Allez, sortons de l'autoroute. Hein. Finalement, je suis surpris. Hein, cette machine sur l'autoroute, elle est plutôt à l'aise. Je trouve pas qu'elle soit très fatigante. Après, bien sûr, hein, vous voyez que je ne roule que très très peu de temps sur ce type de route. Mais j'ai pas eu beaucoup d'air et la position, je la trouve plutôt bien. Bon, concernant l'éclairage sur ce modèle, bien sûr, tout est confié à des LED. Hein, c'est une machine très moderne. On a même un système d'éclairage en courbe. À l'avant, on a un feu diurne, enfin éclairage en courbe. On a aussi les clignotants qui sont intégrés dans la face avant. Je trouve ça très esthétique. À l'arrière, un feu beaucoup plus classique et des clignotants qui sont à LED, mais avec un design vraiment très standard, très commun. J'ose pas, elle est tellement folle cette machine et la route est tellement pourrie. Redonnez-moi cette machine sur une route sèche. Ah là là, je le redis, hein, la route est vraiment piégeuse parce que ça sèche par endroits. Il y en a d'autres où c'est encore totalement humide, il y a même de la boue. Faut être en psychose en fait, hein. Faut tout le temps imaginer le pire. Faut pas non plus trop se reposer sur l'électronique, hein. Elle vous sauvera pas forcément à chaque fois. Oh là là, là ça a encore burné. Hein. Même avec le traction control au max, hein, la puissance elle passe pas. Allez, on va essayer de faire une dernière accélération. Ouais, restons raisonnables quand même. La sonorité de cet échappement est dingue. Je le redis, hein. Au final, on a le sentiment, avec cette sonorité, de rouler même plus vite que la vitesse réelle. C'est un bonheur. J'adore cette moto. Bon, malheureusement, hein, vous l'aurez compris, les conditions de route font qu'il est quasi impossible pour moi d'exploiter vraiment cette machine. De toute façon, même en conditions sèches, je pense pas vraiment avoir le niveau pour utiliser un missile pareil. Même si c'est super fun, j'adore vraiment cette machine, aussi bien esthétiquement qu'à conduire. Son moteur est très très sensationnel, ce qui devient de plus en plus rare avec la norme Euro 5, il faut l'avouer. Donc maintenant, parlons un peu des aspects pratiques. Ouais, je pense que si vous entendez mon rire, c'est que vous avez compris. Aspect pratique sur cette machine, c'est vraiment pour dire aspect pratique. Vous pouvez démonter la selle. D'ailleurs, est-ce que c'est réellement une selle? Sur cette version factory, c'est plutôt un capot de selle. Et en dessous, il n'y a aucun rangement. Vous avez juste une petite clé qui vous servira à démonter 2-3 trucs, mais il n'y a aucun rangement. Si vous voulez rouler avec un passager, bah vous êtes trompé de moto, vu que vous l'avez vu, elle est vendue d'origine avec un capot de selle et aussi avec des repose-pieds qui sont extrêmement hauts. Donc c'est vraiment pour qu'elle soit entre guillemets homologuée de place. Mais prendre un passager sur cette machine, c'est vraiment pas le bon truc. Il faut sinon remettre une selle normale et je pense que la personne derrière ne sera pas au top de toute façon.
Après, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, hein, ce moteur a, comment dire, un caractère de dingue. C'est un de mes préférés. Il est vraiment dingue. Par contre, la mauvaise surprise, c'est son appétit. Il est donné pour une consommation moyenne à environ 7,5 litres, ce qui est quand même beaucoup. Et là, aujourd'hui, vous voyez que avec mes accélérations et mes quelques bêtises, j'arrive à une consommation moyenne de 9 litres 6. Bon, je me doute que ça va se lisser en revenant à un rythme plus cool, mais c'est vraiment une machine qui consomme beaucoup. Donc, finalement, les amis, que retenir de cette Tuono Factory V4? Eh bien, même si c'est quand même un peu moins brutal, un peu moins dingue que la Tuono 1000R que j'avais testée, qui elle vous donnait vraiment le sentiment de vouloir vous tuer en permanence, celle-ci est bien plus cool parce que l'électronique est là pour vous sauvegarder, hein, et encore heureux. Mais en termes de performance, on est encore bien sûr un cran au-dessus. Esthétiquement, elle est superbe. Et la très bonne surprise, par contre, c'est qu'elle est dans sa catégorie parmi les moins chères. Actuellement, la Tuono V4 est proposée à partir de 17 000 euros dans sa version normale. Et pour la version factory, que je teste aujourd'hui avec les suspensions électroniques, elle est à 20 000 euros. Et vous pouvez rajouter encore 500 ou 600 euros si vous voulez cette édition limitée avec ce coloris. Donc finalement, bien sûr, on peut se dire que 20 000 euros, c'est quand même loin d'être donné, hein, c'est une belle somme. Mais quand vous voyez le prix, par exemple, d'une Street Fighter V4S ou d'une M1000R, bah finalement, celle-ci est pas trop mal placée. Hein. Et je pense vraiment pas que le fait qu'elle n'ait que 175 chevaux soit à prendre en compte. Qu'elle ait 175, 200, 210 ou l'infini, on s'en fout. Les performances sont déjà de toute façon infiniment supérieures à ce que le Kidam moyen sera capable d'utiliser sur route. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette toute dernière Tuono V4 Factory. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Et si vous avez des infos à nous donner concernant cette Tuono V4, pareil, donnez-nous votre retour d'expérience, que ce soit bien sûr sur les dernières comme j'ai testé aujourd'hui, ou sur les précédentes générations, car comme je l'ai dit, maintenant la Tuono V4 est sur nos routes depuis quelques années. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler que les premières étaient encore complètement dingues, car elles n'avaient aucune électronique. Donc j'imagine même pas les souhaits qu'on devait avoir avec ce genre de machine. Hein. Il fallait très certainement mettre des slips marron pour, pour pallier à toute éventualité. Je tiens encore à remercier le propriétaire de cette machine qui n'a pas hésité à faire pas mal de routes aujourd'hui avec un temps pourri pour me prêter cette machine. C'était super sympa de sa part. Et je reprécise bien sûr que si je peux tester autant de machines différentes et autant de machines quasi neuves, c'est intégralement grâce à mes abonnés. Merci encore à eux de me prêter leur machine, de me faire confiance. Si, comme eux, vous désirez me prêter un véhicule, que ce soit moto ou voiture, eh bien je vous invite à prendre contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Et je reprécise que mon lieu de tournage se situe en Normandie, pas très loin de Rouen. Bon les amis, si vous avez apprécié ce test malgré la météo, eh bien je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vu que vous l'aurez compris, je teste très 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 régulièrement des nouvelles machines. À bientôt et à tous. Finalement, maintenant que j'ai testé cette version factory, je me demande si la bonne version, ce n'est pas la version de base qui est conçue pour être un petit peu plus cool au quotidien et aussi moins chère. Et en plus, on retrouve ce moteur complètement dingue.